Une politique durable, c'est avoir une gestion de l'eau et de l'assainissement, des déchets, des énergies douces renouvelables, des moyens de transport et des nouvelles technologies. Et là, nous allons essayer de montrer comment l'on peut se déplacer autrement. Come on, cancer, let's walk outside. Breathe the autumn air. Ah, ils sont pas du tout fatigués, ils ont énormément d'énergie, tous, on a pu le constater, et puis ils ont beaucoup apprécié, et puis ils discutent beaucoup entre eux sur le chemin. Ça nous permet aussi de faire connaissance avec eux, de savoir si les devoirs sont faits. C'était une très bonne expérience pour une première. On part d'un panneau, et il y a des arrêts. Il y a des dames qui nous accompagnent. On marche jusqu'à l'école et on est plusieurs enfants à partir. Alors moi, ce qui m'a intéressée, c'était surtout le fait de ne plus prendre la voiture, de circuler à pied, accompagner les enfants. Et puis pour protéger aussi l'environnement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de circulation en ville. Moi, je fais beaucoup de vélo avec mes enfants et le fait de marcher à pied, je trouve que c'est un avantage pour améliorer les conditions de vie dans notre ville. Take this deafening thunder down. Take this bread and take this wine. L'Agenda 21, c'est un programme d'action en faveur du développement durable pour le 21e siècle. On voit bien aujourd'hui que nos villes sont saturées de voitures, qu'il est très difficile, d'ailleurs quand on ne possède pas une voiture, de se déplacer commodément. Et l'accent a été mis ici, Narbonne, sur tout simplement les transports en commun. La possibilité, vous le savez déjà, d'utiliser les navettes, de laisser sa voiture à l'entrée de la ville pour pouvoir aller vers le centre. Et là, l'Agenda 21 veut aller encore beaucoup plus loin. Alors c'est tout simplement l'application d'un plan de déplacement urbain, c'est la possibilité aussi d'inciter les transporteurs à utiliser les carburants propres. Et puis c'est aussi pour la ville de Narbonne la volonté de sensibiliser chacun à l'intérêt d'utiliser les transports en commun, en commençant par donner l'exemple aussi pour les transports propres, en renouvelant la flotte de véhicules de la ville et de la communauté d'agglomération avec des véhicules propres. Pour mener une politique durable, il faut se fixer des objectifs. En ce qui concerne les transports en commun, nous avons souhaité doubler la fréquentation des transports en commun à Narbonne sur 10 ans. Nous allons y arriver en 5 ou 6 ans. Mais en même temps aussi, pour cela, il faut favoriser la sécurité, le confort des voyageurs en ayant une politique aussi de moindre coût. Et c'est vrai que Narbonne peut être fière, la Narbonnaise, de pouvoir amener ses enfants ou les touristes à la plage pour 1 euro l'été. Il suffit de laisser son véhicule pour quelques heures ou la journée. Et puis, par rapport aux occupants qu'il y a dans la voiture, nous pouvons soit prêter un vélo si ces personnes désirent aller en ville en vélo, soit prendre la navette gratuitement. L'information est bonne, était assez complète. C'est vrai qu'après, il y a toujours des précisions à voir, surtout avec un peu nos modalités, comme disait le présentateur au début, une modalité française un petit peu, de propriétaire, de l'importance de la propriété d'un véhicule, quoi. Bon, c'est à voir, c'est vrai qu'il faut voir après avec l'avenir, quoi, avec le nombre de points. Je crois que ça va être l'importance, le nombre de points de dépôt de véhicules.
Det är ju så att det finns stora städer även i Sverige. Le fait est qu'il y a quand même des grandes villes, il y a des villes en Suède aussi qui ont les mêmes problèmes que toutes les autres villes. Ensuite, l'environnement est quelque chose d'important en Suède et tout le monde a une conscience environnementale. Et puis, les coûts sont très importants et la nouvelle génération, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent plus avoir une voiture, être propriétaire d'une voiture. Oui, ça va évoluer. Il parlait de nouvelles générations, c'est vrai que peut-être que les nouvelles générations vont changer de mentalité. À Narbonne, c'est pas gagné, sauf pour quelques personnes qui ont effectivement pas de voiture, qui veulent aller dans un village, mais c'est limité. Att äga bil i Sverige har ju också varit jätteviktigt, men det är d'être en stor förändring. D'être propriétaire d'une voiture est aussi été très très important en Suède. Stora undersökningar har gjorts mais i Europa. Il y a eu des changements. Där man märker samma trend. Et selon d'importantes études menées en Europe, förändra, on voit les mêmes tendances. Alternativ för de som inte vill äga et donc, bil on doit proposer d'autres alternatives. C'est un service qui amène tous les Narbonnais pour faire, entre parenthèses, la fête. Ce service fonctionne le mardi, mercredi, jeudi de 19h à minuit et les vendredis, samedi, 19h à 4h du matin. Pas uniquement que les boîtes. Ça peut faire aussi le cinéma, le théâtre, les pubs, les restaurants, même les restaurations rapides, pour 1 euro aller et 1 euro retour par personne. Et je ne fais uniquement que Narbonne ville, pourquoi le Grand Narbonne, mais les villages, je ne peux pas le faire. Ni la gare, il faut qu'au départ ou à l'arrivée, un établissement de nuit. Ah oui, question de sécurité, j'attends que les personnes rentrent chez elles. D'abord, je les prends chez elles, devant chez elles. Et quand je les ramène, j'attends que ces personnes rentrent chez elles. Question de sécurité, s'il y a un problème ou autre, quelconque. C'est un service dédié à la nuit et aux Narbonnais. Alors déjà, au niveau du sens unique, la grande facilité, c'est que tout le monde circule dans le même sens. Donc normalement, il y a beaucoup moins d'intersections, donc, puisque tout le monde va dans le même sens, et ça permet donc une fluidité du trafic. Plus ça va aller, plus ça va être difficile, parce qu'il y a de plus en plus de voitures. Hein, donc il faut aussi penser et raisonner autrement vers un moyen alternatif à la voiture. Il est de notre devoir d'homme, par rapport à la réflexion mondiale, de protéger notre histoire, notre environnement, car ce qui fait la force de Narbonne, c'est sa qualité de vie. Narbonne est une ville de respect, c'est une mosaïque de peuples, et c'est là que d'autres actions doivent porter ses fruits, que ce soit en matière du patrimoine historique ou du patrimoine environnemental. La ville de Narbonne, depuis 4 ans, mène une politique durable, qui devrait d'ailleurs se concrétiser par la création d'un quartier durable.